vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes qui vous causent les ennuis et qui sont à la base des amendes. Ben, ça veut dire à un moment donné qu'il faut prendre des dispositions. Alors on rétorque souvent, ben oui, mais c'est le meilleur. Ben non, ce n'est pas le meilleur joueur. C'est peut-être techniquement, mais c'est sur le plan de la durée de la mentalité, c'est peut-être le mauvais élément. Donc, alors, il suffit aussi de faire un peu de pédagogie, il faut essayer peut-être de le prendre, il faut essayer de sensibiliser. Il est utile à l'équipe, mais il crée de grandes difficultés au club. Donc, à un moment donné, il faut qu'il choisisse. Et on est dans un projet. Il faut que dans un club, il y ait un projet. Un projet club, c'est quoi? Ben, un projet club, c'est dire, ben, c'est aussi peut-être le plan sportif, mais aussi l'image du club, l'image de l'équipe. Donc, je crois que tout ça, ça se travaille. Alors après, est-ce qu'on a la volonté de le faire? Est-ce qu'on a les hommes pour? J'imagine, c'est pas... mon discours, il est facile. Mais moi, j'ai un discours de responsable. Je dois, un, rassurer le corps, les officiels, deux, rassurer aussi les clubs qui hésitent, qui ont du mal. Des fois, bon, on connaît quelques clubs qui ont des difficultés à se déplacer dans un club parce qu'ils disent que c'est d'insécurité. Ça aussi, c'est intolérable. On doit pouvoir aller dans n'importe quel stade, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle commune, librement, en toute sécurité, pour pouvoir pratiquer ce qu'on a choisi, je dirais, de façon délibérée. Moi, je choisis le football parce que c'est la discipline qui me plaît, mais je veux aussi la pratiquer dans les meilleures conditions.